Ah bah tiens. Toi, si le struggle attire autant de monde, c'est vraiment grâce à moi. Personne ne serait au courant sur les affiches que je colle. Quel travail. Ah, il y a des affiches quelque part du coup. Tu vends quoi toi? Oh, il y a plein de stuff. Après, c'est les trucs que j'ai déjà, plus ou moins. Donc, je suis pas intéressé. Toi, tu vends quoi? Ah non, c'est toi si tu peux synthétiser des choses. Intéressant. Formule. Bonus PC, oui. Amulette lunaire. Conception libre. Je peux rien faire. Catalogue, ok. C'est vraiment des phases de jeu nul. Ah là, ouais, je t'avoue que c'est pas ouf. Ah, oh, je peux faire ça. Diminuer de moitié. Bam! Ça le mug niveau plus. Hop. Je comprends tellement pas par contre pourquoi Halloween a disparu. Ah pourquoi j'ai un monde qui a disparu carrément, ouais. J'aurais dû le faire. Si j'avais su. Toi tu vends quoi? Des trucs nuls. Toi. T'as pas changé. On va essayer d'aller voir de ce côté là du coup. Parce que monsieur je mets des affiches, moi j'en vois zéro. N'oublie pas Alan, c'est sûrement écrit dans ton journal quoi faire. Oui, mais là on m'a dit un truc. Le struggle. Je me demande ce que c'est. Y'a pas de train. C'est vraiment de la merde. Je me casse. Du coup... je vais là. Parce que je l'ai décidé. Ça vient du port. Allons voir ce qui se passe. Alors j'aurais pu prendre le truc le plus bas level. Effectivement. Mais je n'avais point envie. Maillon fort. Tiens ouais d'ailleurs j'avais looté des trucs. Non c'était pour Dingo. Mais d'ailleurs Dingo là il a plus de stuff. Mazette. PC, attaque, orbe. On va mettre ça. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, Dingo, il combat, mais nu. Auto-coopération, booster objet. Booster objet, vu qu'il a des potions sur lui. Tiens, d'ailleurs, moi, je suis à fond. Okay. Du coup, tu vas pouvoir faire les specs. Bah oui, c'est pour ça que j'étais venu à la base. Zola, some assistance. Zola. That's Sora, Donald, and Goofy. Will you leave a mate to perish? Aye, aye. Aye, aye. Bon, bah. Oula, calme-toi. Ah, mais Jack, je suis pas obligé de le prendre en fait. Voilà. Bah, les couilles. Mais... ok. Wow.
Je suis trop mal en termes de vie, n'empêche. Ouais, j'ai du mal à suivre l'histoire, mais si tu commences à rajouter des phases nulles entre les rares morceaux d'histoire, j'ai encore plus du mal. Ces pirates étaient maudits. J'étais maudit, Harry. Je croyais que nous en avions terminé avec cet or aztèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gredin n'aura sans doute pas su résister à l'appât de l'or. Oh, je vois. Vous doutez de moi, c'est ça? Et vous avez bien raison. Après tout, je suis un pirate. Jack, soir. Elisabeth. Je sens que les ennuis approchent à grands pas. Jack, attendez, j'ai besoin de votre aide. Ces maudits pirates sont revenus. Lui, il est parti pour l'île de la Muerta, afin de vérifier que l'or y est encore. Je crains qu'il ne lui arrive malheur. Emmenez-moi là-bas. Voyez-vous ça? Si vous voulez aller à son secours, faites-le seul, jeune femme. Jeune fille. Seul? Vraiment, Jack? Rejoindre l'île et attaquer ces horribles pirates? S'il y a une femme capable de... Tu es sûr qu'il est en danger? Ce n'est pas de certitude, mais il tarde à revenir, je voulais l'accompagner. Mais il a catégoriquement refusé. Je ne tiens plus en place, je dois m'assurer qu'il n'a rien. Ce garçon ne connaît pas son bonheur. S'il vous plaît, Jack, conduisez-moi là-bas. Un instant. Je ne vois là aucun profit pour moi. N'ayez crainte, je vous récompenserai. Et puis vous avez une dette envers lui. Il vous a sauvé la vie. Exact. Eh bien, qu'attendons-nous? Je tape ce truc là purement gratuitement. Je veux voler. Tellement d'endroits inaccessibles. Oh, c'est sympa le Black Pearl. Sauvegarder. Alors, en fait, je trouve ça idiot de, enfin, bizarre de devoir revenir dans les mondes déjà faits. C'est très étrange. Ouais, le truc là-haut, je peux pas aller le récupérer de toute façon. Bah, l'île de la Muerta. Ah mais non. Ah c'est chiant. Moi je vais à la lumière, hein. Faites ce que vous voulez. On peut rien faire tant qu'ils sont dans l'ombre, donc... Ok. Ah ça c'est les 100 coeurs, ça va, ça c'est pas un problème. Ils n'ont pas de frame d'invulnérabilité à la con. Et arrête, calme-toi ça va. Le mec relou. Et arrête de courir. Alors, bonne soirée, chat. Si Halloween ne sauve pas avant la fin du jeu, je retrouve le scénario et je le tue. C'est complètement con qu'il soit invincible à l'ombre. Ça devrait être l'inverse. Je suis d'accord pour la plupart des mondes. De quoi, Equinox? Jack. Will. Stop that, Jack. We've got to rescue him. Will, wake up. Elizabeth. What happened? Pardon. The medallions and the stone chest. Someone's taken them. Next thing I knew,
we were attacked. But I couldn't see who it was. His face was shrouded in a black hood. The organization. We found a way out of the cave. But the villain sent a horde of terrible creatures after us. I've never seen their likes before. I think I'm the only one who made it back to the ship. Will. Will. Elizabeth. I feel rather... Ah. Will est mort, c'est bon. Our turn, guys. You'd best go prepared. We've no idea what's out there. Pardon me, lads and lass, but your captain will have no monsters today. Thank you. We're turning for home. Just like that? Just like that. Pas très courageux pour un pirate. D'où venaient ces monstres? Il en reste peut-être d'autres. Pardonnez-moi, mais j'ai besoin de souffler. Soyez prudents. Ah, mais moi, je veux aller sur l'île de la Muerta, hein, Jack. Ouais, on s'en va, tout le monde à son poste. Ah, fais pas le con. Hein. Je dois aller tuer le simili. Don't remember inviting you. So it was the organization. We'll handle this. Huh? The darkness of men's hearts, drawn to these cursed medallions, and this heartless, a veritable maelstrom of avarice. I wonder, are they worthy to serve Organization 13? And you want an answer now? Precisely. Et je comprends le... Pourquoi on doit refaire les mondes, du coup? C'est parce que l'organisation s'emmerde et ils mettent des sans-coeurs juste pour qu'on les défonce. Et comme tu dis, Equinox, pour ce monde... Ça a une certaine logique, mais ouais, pour tous, genre Mulan, je vois pas ce qu'ils vont foutre. Hein. Parole de Jack. Jack machin. Ouais, seigneur. J'ai rien compris. Ah. Ça va pas counter. Boum! Frappe horizontale. Parce que je pouvais taper que en diagonale ou à la verticale jusqu'à présent. I'm born. Not over yet. T'es qui toi? T'es qui sur internet? Throw him overboard. Aye aye. Holly! Excuse me. Orly? It's a bit of a pirate's code. Anyone who invokes parley must not be harmed till negotiations are complete. This is no time for rules. True. But as we're honorable pirates, we should always stick to the code. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that you want... Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Sora, Donald, Goofy, he's yours. Oh, on est sur l'interceptor maintenant.
Ah. Et du coup, on va être sur, quand on avait la map, on avait Port Royal en haut, l'île de la Muerta en bas, et on avait une genre d'épave en haut à droite. Donc nous, là, on sera en haut à droite pour l'épave. You stole a medallion again? Were I only that fortunate. Fortunate? So, how come you're all skeleton-y? Perhaps I got a touch of something from that monster what attacked us. Yet, why is the skin resting right on you three? Cause we're not greedy. What are you looking at? That still doesn't solve the mystery. Gorge, maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Sure. Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Quit yammering, mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. Hop. Okay. Une carte. Ah non, pas anti-flume. Avec l'aide de deux amis, utilise la commande invocation pour invoquer Peter Pan. J'ai pas utilisé une seule invocation du jeu. Je sais même pas ce qu'elles font, mes invocations. Et vous savez quoi? Je m'en tape. Bon, je suis quand même dans un monde niveau 37. Je suis niveau 30. Pas bien. Ah mais c'est vraiment de la merde. Ah mais niquez-vous, il y a un tout petit carré de lumière là. Ah là, et là il est plus dans la lumière du coup. C'est chiant. Et ça m'a saoulé. Aïe aïe aïe. Hop, j'ouvre ça. Hop. Pas de problème si on... s'il n'y a plus d'ennemis. Oh, c'est chiant. Allez, hop. Peter Pan et la flèche clochette, plutôt pas mal, c'est pas ouf les invocations. Ah, je suis choqué, tu te tapes des invocations comme ça. Oui. I'm Italian. Get it. Jouer. J'ai rien compris. Je suis une carte et je me fais mettre en PLS. Je vais pas jouer, c'est de la merde. Three more to go. How do you know? A pirate must have a keen eye. Else he won't be sailing free for very long. Ah, on a vu qu'il y avait que 4 ennemis. What's that? Ahoy, mateys! Ridiculous imitation, and yet I'm flattered. Alors calme-toi, pièce maudite, c'est cool, machin. Mais non, mais il y a un coffre. Jack, que s'est-il passé? C'est affreux. En effet, c'est à qui la faute? Certainement pas, Elisabeth. C'est l'organisation 13 qui est derrière tout ça. Ça ne fait aucun doute. Où ont-ils bien pu passer?
L'homme encapuchonné a disparu avec les pirates et ses créatures en entrant dans un étrange passage. Nous les observions depuis la cabine du capitaine. Il n'était pas venu à l'idée de te battre? Soyons réalistes, je ne suis pas de taille face à eux. Voilà qui est lucide. Sora, nous allons avoir besoin de ton aide. Entendu. Commençons par retrouver toutes les pièces. Sans elle, la malédiction ne pourra être conjurée et les créatures resteront invincibles. Bon, on reste là parce qu'il y avait un coffre. Oui, il y a ça. Mais putain! Putain, je peux pas l'avoir. Comment ça, je m'en bats les couilles du chrono? Oui. Je sais pas pourquoi il y a un chrono d'ailleurs. Et le simuliste t'enfuit. Ah, mais je m'en tape, je suis là pour les coffres moi. Bonne nuit, Hercule. Ah, mais ça m'emmerde pour ce truc, putain. Black Pearl. Et là, si on dit qu'on revient, il sera là, non? Le jeu est bien fait. Mais non! My bad. Il faut faire tout le tour parce que c'est un jeu de merde. Fait que j'ai des dashs. Encore deux pièces à retrouver. Oui. Alors là, c'est pas la faute du jeu. Quelle est l'idée de mettre un ennemi en dessous? Du coup, tu veux passer par la porte la plus proche? Oh, le cochon là, ça calme. Pas rien. Boum. Jack a level up, super. Je suis super content de l'apprendre. Pou 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 pou. Attendez, on va tester un truc. Souvenance. Donc là, c'est Sora de Cache, hein. Lui, il level up avec quoi? Avec les coups ou avec les kills? Ah, j'ai été con, attendez. Faut que je recharge ma fusion avant de pouvoir le faire, lui. Il me faut des ennemis. Please. C'est la magie de cette forme. C'est la magie de cette forme. Les compétences. Compétences du premier. Oui, mais moi je me suis demandé comment on fait pour XP. Oh bah tiens. T'as répondu. That's four medallions. We got them all.
But where's the chest? If we find the hooded man, we'll find it. Probably in Port Royal. Why's that? Organization 13 is after people's hearts, so they're gonna go wherever there's lots of people. They'll hurt the townsfolk? No, they're bringing them flowers, mate. I don't know who these organizers are, but I will say they're making we pirates look like proper gents. Well, Jack. Then, we have to help. Je gagne de l'XP en utilisant les compétences souvenirs. Ok, d'accord. Là, je comprends mieux avec une vraie phrase. Il nous va reparler à Port Royal. Fais-moi signe qu'on pourra lever l'ancre. Ah, moi, j'aimerais bien. Attendez. Ouais, des trucs. Parce qu'en fait, je veux charger mon flux. C'est tout ce qui m'intéresse. Comme ça, après, je pourrais aller tuer le mec de l'organisation. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que bon, jouer au jeu. Logiquement, après ce groupe d'ennemis, ça devrait être bon. Presque. Mais après, ouais, si on fait le chemin vers l'autre endroit, ça devrait être bon. Hop, et là, on dit qu'on va en bas. À l'île de la Muerta. Voilà, là, il y a des ennemis. Par contre, on en parle que le bateau est... Non, j'ai rien dit. Et qu'est-ce que tu fais, Sora? Ah, il est chiant. Quoi? C'est chiant de devoir orienter les cibles. Boum! Casser le cul. Ah, il y a encore des ennemis. Boum! Oh oui! Non! Putain, mais. Les ennemis que moi je tape, ils prennent cher par contre, mes alliés. Son zéro. Il s'est fait bolos par son pote. Allez, c'est l'auto fini, voilà. Ok, là je suis full. Donc je fais une petite sauvegarde. On est parti pour cet ennemi que je ne connais pas. Mais alors on m'a dit... Ah du coup ça va être l'Arxen je suppose vu les dagues. C'est des dagues. Est-ce que c'est ça? C'est bien l'Arxen qui avait des petites dagues comme ça. Oui. D'abord, on va regarder un petit peu son pattern avant d'utiliser une fusion ou quoi que ce soit. Quoi ? Elle a une triple forme.
Ah, mal. Ah, ça fait toujours mal. Ça fait très mal. Lâche-moi les couilles. Avec sa foudre pétée là, je peux rien faire. Mais même en faisant un dash. Oula. Dangereux ça. La PLS quoi. Ah, c'est une phase chiante. Ah putain. Vaillance. Forcément. Ah, c'est chiant. Ah. Ah. C'est chiant. Elle est chiante. Elle est vraiment chiante. Mais je peux pas esquiver ton truc. C'est chiant. C'est vraiment que... Mais lâche-moi le cul, bordel. Comment ça peut être le perso préféré de Dronfax? Ouais, vas-y. Mais je peux pas sauter tant que je fais des attaques. Oula. Et je saute trop tôt. Ouais, allez, j'ai réussi. Va niquer ta race, Larksen. Ah, tes fameux éclairs à la con. Putain, horrible. Ah si, attends. Bah non, j'ai plus de magie, vu que je me suis soigné. Faut que je mette miroir. Vas-y. Je te dirai rien. Ah bah non. Ah si. Grâce à ma compétence, j'ai pu me soigner malgré les dégâts reçus. Finalement, je pourrais peut-être pas mettre miroir parce que... Ok. Ah oui, d'accord, ok. Mais lâche-moi les bournes. Les bournes, oui bien sûr. Les bourses. Au pire, je peux... Là j'ai vaillance au pire. Des cas. Pour me remettre full. Et ça devrait passer. Il lui reste plus qu'une barre de vie. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. On s'emmerde, je ne peux rien faire. Mais lol. Non, comment je fais pour annuler? C'est vraiment pas joué à grand chose. Bon, Donald par contre il sert à rien, il est toujours mort. Hop, voilà. Eh, ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Le temps de trouver comment comment annuler la fusion pour reprendre ma forme normale. C'était chaud.
Formule isolante. Ils ont perdu. Minerai qui dégage une aura très particulière sert à la fabrication d'objets. C'était pas simple. Donc on va sauvegarder. C'était même plutôt compliqué. Allez. On va à Port-Royal du coup. Easy, oui, bah oui. Comme quoi la vaillance auto, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Now to break that curse. The curse! It's gone! Then what's this? Oh, I understand. Jack must have been cursed by that monster, not from taking the gold. Oh, I've no worries then. It's okay, Jack. We'll just have to defeat the monster, that's all. La compétence qui te garde un PV à carry. Ouais! Aussi, ouais. Ça m'a permis de prendre le temps de trouver le bouton pour annuler. What? Ah, ça va être encore un mini-jeu chiant. Putain. Il en reste une. Elle est là. C'est vrai qu'il fait ça. Oui. Hop, là il faut pas l'attaquer. Oh, il a changé de pattern. Aïe. Et quand je suis censé le... à contre-carré, ok. Anti-vol. MDR anti-vol parce qu'en fait il vole des pièces. Eh ben il y a encore des pièces. Putain, il y a encore plein de pièces. Aïe. C'est mal. Boum. Ah bah si, je peux encore l'enchaîner. 666. J'ai été à 666 pièces un moment. Stylé. C'est bien, il s'est TP à environ 2 cm. Wow. Mais ah mais c'est chiant là. Je le fais parce qu'en plus là il y a plein de mana. Allez-y les gars. Moi je ramasse que les pièces. Non mais non, oh il aspire encore. Il a aspiré des trucs. Là je peux restituer des trucs mais... Aïe, aïe. Hop. Oui. Ok, bon. Déjà restituer ça.
Mais non. Dégage. Petit con, petit merdeux. Lâche ces pièces. Ah non, il en manque une. Toujours, hein. Toujours l'histoire d'une pièce. Allez. Ah. Ok. Élément d'attraction, fusée atomium. HP plus, HP plus. J'ai toujours pas aimant, hein, du coup. Du coup, je peux pas faire le truc de la petite sirène, c'est chiant. All better. And not quite, mate. Sora. Bravo. Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts. First, they release Heartless into different worlds. We defeat those Heartless, then they get the hearts. We're never gonna stop them like this. What's the plan, then? We gotta find their stronghold and finish them off, once and for all. Sailing these waters, I've heard some tales, but not a one like this. Is there any way we can help? Anything at all. There is. Rapport d'Anthem 6. C'est con, il me manque le 3 et le 4. It's certain we don't need the likes of that hooded fellow and the Heartless about. They'll ruin the market for us true pirates. So that's why you went to Port Royal. And we thought you actually wanted to save everyone. A pirate always looks to profit, Miss Swan. Too bad. You had us going there thinking you'd turned over a new leaf. The question is, what's beyond the leaf, savvy? Oh yes, a reward. And what'll it be? That lovely blade of Sora's. Huh? Okay, sure. Hold on, that was far too easy. What's the rub? Elle s'est tapée dans le... Now there, you see? Well, you've always got the pearl, Jack. That I do. But someday I'll gather a bloodthirsty crew and come to take that blade. Chance by then, I'll have the way to wield it. And if I succeed, I'll ask you two to join me. That'd be reward enough. Done. Maybe someday Jack will be able to use the Keyblade after all. Why's that? He and Sora are kind of alike, don't you think? No. Are not? Will, il pensait non, oui, complètement, quand elle a dit oui. Some say Jack Sparrow's the worst pirate ever to sail the Spanish Main. No one could really mean that. Right. We know he's the best. I hope we'll get to see him again. Mais chérie, j'avais dit non. C'est ça. Malédiction levée. Ah! Oui!